Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Marvel Spider-Man. On arrive sur le truc de Screwball, encore un défi gadget à la con où il faut utiliser que deux gadgets ou un seul, peut-être j'en sais rien. En tout cas un truc qui va nous faire souffrir dès le début du jeu. Enfin plutôt dès le début de l'épisode plutôt. Ouais, je suis en PLS un petit peu, je pensais pas en tourner un deuxième, j'en tourne un deuxième pour me faire du mal. Rien qu'entendre sa voix. L'adorable cheval de Troie que j'ai mis dans ton costume l'autre fois, tu ne peux utiliser que deux gadgets, pas de code pour tricher. Je croyais que t'avais fait un truc pour éviter que ça spire, que tu te fasses pirater. Que je joue le jeu. Deux gadgets combinés, très bien. Ok. Hey, tu sais ce qui me ferait plaisir ? Une petite photobombe ! C'est où ? La bouche bleue ! Allez, venez par là. Eh ben, t'es super efficace, toi. Oh, je vais faire un gif. Très bien. Bon, techniquement, c'est une photo. Oui. Et pourquoi j'ai pas eu mon... Pourquoi mes photobombes ne partent pas là? Ça y est. Je suis deg. Ah. Oh. Oh, mais je suis nul. Ok. Écoute. C'est une photobombe. Allez, venez, venez. Et de 1. Ok. Et de 2. Et de 3 apparemment, mais ça fait 4 au total. On est à 24 000. Il y a un lance-roquette dans le tas. Ok. Oh, d'où? Très bien. Ah, j'en ai eu un paquet. Pourquoi lui je l'ai pas? Ok, tant pis. Hop là. Très bien. On est à 45 000. Je pense qu'on l'a eu. Parfait, du premier coup, génial. Non, je demande ça comme ça. Oh, je t'ai eu, Screwball. Je m'en fous, Screwball, je m'en fous. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, vous aussi. Ah, attendez, elle va causer. Non? Non, je crois qu'elle allait causer. Toujours pas. Très bien, va voir ailleurs si j'y suis. Merci, au revoir. Le code que j'ai bidouillé dans le virus de Screwball. Il a collecté assez de données pour que je calcule sa position. Ah, nice. Je l'ai. Nice. Et ben vous savez quoi, on va aller se faire le dernier. Dernier immeuble de... De l'autre Tintin, là. À moins que... Non, c'est bon, on va se faire le dernier... pardon. Le dernier immeuble de l'autre Tintin, là. Damerhead, et ensuite... On va aller s'occuper des fesses de Screwball. Je la hais, je l'exècre. On descend. Pour ce qu'ils en ont fait dans le jeu, je l'exècre. Je ne la connaissais pas plus que ça. J'ai pas trop suivi ses aventures dans l'univers de Spidey. Je savais qu'elle existait. On n'était pas vraiment intéressés. Parce que principalement, c'est une déformation de, bah, de ce qu'on fait nous, là, les youtubeurs. Hein. Enfin, si je peux m'appeler un youtubeur avec à peine 10 000 abonnés qui ne grimpe pas depuis une lurette. MJ. Je suis arrivé à un établissement. Ok. Ça ressemble à une distillerie, mais c'est sûrement une façade. 85 coups. De la contrebande, d'armes illégales ou deux chapeaux de mafieux. Être mou, tu veux dire? Moi aussi, je pense que le trafic des armes. Dis-moi ce que tu trouves.
Ouais, des petits mots. Quoi? Où puis-je panier? Oh merde, je le vois. Allez, 85 coups, je pense pas que ce soit possible. En tout cas, pas pour moi. Avec les compliments du boss. Hop là. Oh là, ça a failli. Vous buvez pendant le service? Ok. Ok. J'ai eu peur qu'il m'attaque. Ah non, l'enfoiré de fils de pute. Pardon. J'ai appuyé, mais il a attendu que je fasse le dernier mouvement d'esquive avant de faire quoi que ce soit, c'est nul. Ah, vous voyez, c'est comme là, il suit. C'est débile. Le jeu veut pas que tu y arrives. Du coup, il t'en empêche. Pouah, c'est de la merde. Allez, tant pis. Allez, toi, tu bouffes. Moi, j'ai autre chose à foutre que m'emmerder avec vous. Aïe. Oh. Allez, bourrage, tant pis. J'aurai pas le 100% sur tous ces trucs-là. Enfin, j'aurai pas la médaille. Raté. Oh non, mais lol. Lol. Tiens, bouffe. Allez, tu décèdes. Mais t'inquiète pas, le respect, je le connais. C'est à vous qu'il faut l'inculquer, c'est pas à moi. Ok, toi tu restes couché. Oui, MJ. Cool. Eh, je suis en plein milieu d'un truc là. T'interromps pas, je vais te dire ce que j'ai trouvé. On dirait que le capitaine... Je t'interromps pas. Elle a une ou deux casseroles. Comme tout le monde, non? Ah merde. Je suis tombé sur de vieilles archives de la police. Tu savais que son père et son grand-père étaient flics? Ha! C'est une famille à uniforme. Plus ou moins. Le père de Yuri s'est fait virer de la police. On l'a jugé et incarcéré pour avoir touché des... Ah, mais je le vois pas. Je vais louper mon combo, voilà. De la pire espèce. Pour un mec qui m'a tiré de là, mais en fait qui était là-haut. Et qu'elle a bien l'intention de faire tomber. Et qui sont complètement immobiles, hein. Ils savaient bien que le combo était en cours, hein. C'est pour ça qu'elle y va pas de ma mort. Ouais, je sais que je suis censé écrire sur les activités de la magia, mais... Là, j'arrive pas à décrocher. Tu me rappelles plus tard? Non, non, tu me touches pas, toi. On parlait de respect il y a quelques secondes. Je l'ai fait bugger. Très bien. Faut que j'en garde quelques-uns en vie. Et la caméra qui me fait bien bugger. Ce qui fait que je vais devoir rater mon... Parfait. Ah. Très bien. Très bien, très bien, très bien. C'est impossible à faire avec 85 coups. Dommage. Tu bouffes. Toi aussi tu bouffes. Le mec se tire dessus avec son croquette, hein.
Et il tire sur ses potes. Hein. Rien à foutre. Hein. Pas de gadget, je suis con. Ok, ils sont où les autres tintouins? Le mec il m'attend en juif quoi. Hop là. C'est bon, couché. Voilà, rien à foutre. Le respect est mort, vive le respect. Oh, je commence à avoir la tête qui tourne avec les vapeurs. Il faut que j'accède au bureau avant de tomber dans les pommes. Ah, oh, tu tiens pas l'alcool? Hop là. Bon. Et la porte, tu la... Oh. Et juste pour un coup. C'est par où? Jack? Jack, c'est par où? Pas d'argent, pas de bière. Mais les registres suffiront comme preuve. Oui. Il y a aussi... C'est bon, j'ai fini. J'ai un dernier fichier crypté à t'envoyer et... Pas la peine. Je sais déjà ce qu'il y a dedans. Ah bon? Elle est forte. Red n'est pas le seul à pouvoir mettre la main sur des fichiers confidentiels. Ah ah! Ce qui veut dire? Suite de l'histoire, tout ça, tout ça. Ah, elle fait copain-copain peut-être avec Yuri? Oh. Oh. Oh, le plan... Non, pardon. C'est irrespectueux de ma part. À 3. Voilà, il fallait que ça sorte, c'est pour ça. Très bien. T'écoutes? Non? Bon, bah tant pis, je t'écoute pas. Il me semble que c'est dans ce coin-là. Ah. Yuri s'est fait sanctionner dernièrement. À plusieurs reprises. Elle hésite pas à enfreindre les protocoles pour arrêter Amered et la Magia. Quitte à prendre des risques. Heureusement, elle n'est pas toute seule dans sa croisade. Ouais. Écoute, Peter. En fait, c'est un meilleur sujet que le trafic de la Magia. Je dois le proposer à la rédac. T'es d'accord? Bien sûr. Il faut que tu le fasses. Ok. Je te redresse ça pour les fichiers. J'espère que ça va s'arranger pour ton... Mani. Merci. C'est gentil. Moi aussi. Moi aussi. T'es où la quéquette secondaire? Par là, normalement. Quéquette? Piquette? Ah! Ça va bien que j'en étais pas loin! Par où? Hop là! Ah bah, des fois il le fait, des fois il le fait pas. Alors attendez, on va le refaire. Hop là! Oh non! Non! Pas encore un! Ce qui veut dire qu'elle sera là dans le 3! Ah non? Pas. Ça stream là-dedans? Mmh. Hello? Ok, il faut juste que je trouve les bonnes... Saloperie. Qu'est-ce que... La saloperie. Si tu voyais ta tronche, j'y pépé. Évidemment, t'es pas là, j'aurais dû m'en douter. Elle était sympa, ta petite manip, mais tu croyais franchement qu'une impératrice et même comme moi allait se laisser choper aussi facilement? Eh, on a le droit de rêver, hein. Ça veut dire qu'elle sera dans le 3, troisième DLC. Tu sais que je suis la Spidey fan numéro uno, mais si on se fait une rencontre IRL, la saison 3 ne verrait jamais le jour. Oh non. Bah c'est peut-être pas si grave. Ouais. Oh, c'est pas ta mauvaise tête, on se retrouvera sûrement bientôt. Bonne fête de fin de tournage, SM. Fête de... Quoi? Eh merde! Non mais lol! Lol, c'est irrespect! Le respect est mort, moi je vais m'en occuper du respect, tu vas voir. Hein. Hop là! J'espère que vous pourrez regarder les vidéos de Trouble en prison! Voilà, est-ce qu'il reste des gens? Ça tombe bien, je suis encore là moi aussi. Vengeance! Vengeance, te dis-je. Merci d'être venu, au revoir. Prochain gadget, prépare. Hop là. Ça vous dit, on se déconnecte jusqu'à demain? Ah, mais tu me... qu'est-ce que tu... Voilà, merci. Il reste des gens.
Très bien, je peux en éliminer 4 au total. On va en profiter. Hop. Dans le meilleur méca, bien sûr. Hein. Voilà, il y en a un gros là. Il va me poser un problème. Eh ben non, j'ai rien senti passer du tout, bonhomme. Très bien. Merci d'être venu. Au revoir. Histoire qu'on soit sûr qu'il reste bien scotché. Parfait. On a géré la fougère. Est-ce que Scrooble va me laisser tranquille pour l'instant? Ouais, jusqu'au troisième DLC. Franchement, tu me fais du mal. Le Spider Clan, ouais, peut-être. Je sais pas, mais enfin, franchement, je me fais du mal. Terminé. Très bien. On va aller voir ce que c'est que le Spider Clan, pardon. Ah, c'est même pas la Iron Spider. C'est vraiment la Spider japonaise, quoi. Ah là 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 là. D'accord, très bien. Je crois que ça devait être Spider-chan à un moment, hein, ou Spider-san, je sais pas, mais je sais pas pourquoi Spider-clan. Ok, ça peut être rigolo. Ça sort de l'ordinaire, au moins. Très bien. Why the fuck not? D'abord, je tiens à préciser que je suis parfaitement capable d'animer cette émission seul et de faire fonctionner cet ordinateur sans l'aide de personne. Ça vient de... Mais je vous annonce, chers auditeurs, que j'ai choisi de ne pas le faire. Deux secondes. C'est pourquoi j'ai décidé, en mon âme et conscience, de réintégrer mon assistant à l'émission État de fait avec J. Jonah Jameson et de lui... de lui présenter mes excuses à l'antenne. Woo! Je suis en train de faire... Vous allez pas me faire ce coup-là maintenant, espèce de... Et lui accorder une... De lui accorder une augmentation, voilà. Bon, restez à l'écoute pour la suite d'État de fait avec J. Jonah Jameson. Mouais, très bien. Bon bah j'arrête des sbacs, hein, mais bon. À toutes les unités, attention, présence d'hostiles armés sur la voie. Des hostiles armés? Plus pour longtemps. Hein? Ah, d'accord, ok, très bien. Les fameux camions remplis de chez Sable. Pourquoi tu piles comme ça, il n'y avait rien devant toi? Hop, ça fait très bizarre avec le costume comme ça. Hammerhead doit être au courant du projet d'Yuri. Je dois neutraliser ses snipers et relancer le convoi. Ouais. Très bien. Oh là. Spidey, bouge-toi le fion. Aïe. Ouf. Oui, je confirme, j'ai eu mal. Ça pourrait débloquer la situation. Spider-Man nous a débarrassé des snipers. En route. Des snipers sur l'itinéraire du convoi. Ça va être un massacre. Il faut absolument que je dégage la route. Mais elle est dégagée, la route. Ah oui, non. La chasse aux snipers est couverte. Je peux pas laisser les gangsters d'Hammerhead s'emparer des armes et des technologies Sable. D'accord, va y en avoir tout le long. Là, Spider-Man, attrapez-le. Je vais t'écrabouiller. Va y en avoir tout le long, très bien. Ah. Dégage. Oula, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais écoute, ça s'est passé. Très bien. Il y en aura pour tout le monde, ma petite dame. Jack Sparrow. Et l'objectif, ça va être que ça, ça va être d'aller chercher. Ils veulent toujours se battre. Ils ont dû être privés de doudou quand ils étaient gamins, hein. Je crois que ça. À chaque croisement, d'aller chercher les snipers. Très bien. Ah bah là, il va y avoir beaucoup moins de snipers dans le. Oh, ça sent l'agression sous le pont. Non? Très bien. Ah. J'étais pas loin. Les hommes d'Hammerhead, comment ils ont su? Protéger la technologie Sable. Appelez. Très bien, lâchez, merci. Surprise, les surpriseurs! Mais oui, j'invente des mots. Et oui, j'invente des mots. Doit avoir une taupe au commissariat qui lui a donné l'itinéraire des convois. Très bien. Il n'y a plus personne ici. Hop là. Ça se passe très bien. Ah, encore ces...
Bon, c'est décidé, je vais appeler ça des perforatanks. Ça vous va? Perforatanks, c'est joli. Ah, d'accord, ils sont sur l'extérieur. C'est chiant, il n'y a pas de minimap, vous avez vu? Ah, attends, j'arrive en gros. Hop, c'est bon. Ça fait très bizarre avec ce costume. Oh. Hop là. Voilà. La technologie stable est en sécurité avec la police. À toutes les unités, situation d'urgence près de la propriété du maire. Quelque chose est sorti du sol. On a besoin de renforts, je répète, demande de renforts. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est reparti. Très bien. Bon bah on continue. C'est Yuri qui se crève à la tâche. Je sais qu'elle s'inquiète pour ses hommes. Il faut qu'elle apprenne à déléguer un peu. Dis le mec qui ne délègue jamais rien. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Wouhou. Ah oui. Ah oui. Oh, ça me l'a tué. Oh, nice. Hop, merci. Merci, j'ai éliminé deux grosses menaces en très peu de temps, c'est génial. Tout ce qu'il y avait, parfait. Merci. Mais ils en ont combien de ces perforatants? Ah, il m'en manquait un, c'est dommage. Hop là, parfait. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh non, j'avais pas vu que c'était des gros. J'ai gaspillé des points. Bêtement. J'ai gaspillé des points bêtement. Ouf. Ouf. C'était quoi ce backflip avec le pied? C'est con, hein. Ah ouais, c'est con, je confirme. Hop là. Ah bon? Il s'échappe avec la technologie sable. Non! Je peux pas faire ça, Yuri. Je vais arranger ça. Je peux le faire. Hé, l'araignée! Surtout, ne perds pas de vue, ok? Ah, comptez là-dessus! Quand tire, moi! Quand la planche déroule sans accro, ça doit être Spider-Man. Attendez, c'est ça votre plan? Mais comment je suis censé. Perdre. Ils sont même pas ensemble! Terminus! Ok, très bien. Ça va faire un camion. Il y en a un deuxième, j'ai cru voir. Ah, les yeux qui sont tout fins. C'est rigolo. Corinne, dépêche-toi. Allez. Parfait, on vient de gagner 100 mètres. Hop là. Ah, cette roquette m'a fait perdre du temps. Ah, j'étais besoin de l'avoir, c'est bon, je l'ai eu. Hop, merci d'être venu. Au revoir. Regarde, ça swing. Hop là. Eh, passe pas au travers de ton pare-brise, mais passe plutôt par la portière. Passe plutôt par la portière. Très bien. Ok, ça c'est fait. Et maintenant? Ah, ça jure. Yuri, vous tombez bien, j'ai arrêté. Non, ici. Amoret voulait vous éloigner et ça a marché. Yuri, venez, vite. Oh non, non. Oh merde. Les premiers Yuri. Intervenants, prévenez les urgences. Dites-leur qu'on amène. Dites-leur à quoi s'attendre. Tout ça, c'est un piège. Pour m'éloigner de la véritable cible d'Amoret. Il faut que je parle à Yuri. Pourquoi il s'en est pris au commissariat? Je croyais que toutes les affaires de sable avaient changé d'endroit. Je dirais que Yuri va bien. Physiquement, en tout cas. Et si c'était Yuri qui me l'avait fait à l'envers? On finit tous par craquer. Ça se trouve, elle estimait même que j'étais une des taupes. Non, je le prendrais très très mal. Elle a cru que j'étais une taupe, elle m'a dit tout sortira.
Et finalement, ils sont quand même venus là-bas. Ouh la vache, l'hécatombe. L'hécatombe. Désolé, Yuri. J'aurais dû être là. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il est allé tout droit sur les caisses marquées Projet Olympus. Et vous savez ce que c'est ? Non, mais maintenant, il l'a. Et on l'aura. Je sais. Vous allez où ? Lui montrer ce que elle c'est. Elle est vénère. Wow, 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 wow. Mauvais costume. Vous... Bougez de là, ou je vous fais coffrer. Yuri, on doit collaborer. Ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Très mauvais costume, ça va pas. Ça casse tout. Ça va très mal se terminer, tout ça. Ouais, je confirme. Et c'est sur ces entrefaites qu'on se laisse là, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yo! Ah bah non, vu que je peux pas sauvegarder. Trouve à me rester avant elle. Mais comment ? J'ai plus aucune piste. Ah ah. En filtrant la radio de la police sur un mot-clé ? S'il parle d'Amered ou d'Amadja. En attendant, je devrais aller faire un tour dans les rues, voir ce que font les hommes d'Amered. Là, je peux. Et yop !